prends volontiers pour un personnage excentrique. Je voudrais que vous nous aidiez à faire le point entre l'apparence, un personnage d'Ali qui est excentrique, qui est une matière facile pour les journalistes, et puis ce qu'il y a derrière ce personnage. Non, c'était, je crois que c'est juste que je suis un grand excentrique, mais en même temps je suis concentrique. C'est pour ça que je suis anarchiste et monarchiste en même temps. C'est-à-dire le maximum d'hétérogénéité à la base et le maximum de coupole harmonieuse et parfaite vers le haut, c'est-à-dire vers le ciel. André Breton vous considère comme un traître au surréalisme. Parmi tous les reproches qu'il fait, il vous reproche de trop aimer l'argent. Avec les lettres de votre nom, il a même composé un anagramme, il vous appelle Avida Dollar. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? En tout cas, cet anagramme a eu une valeur magique certaine, puisque depuis, la pluie de dollars n'a pas cessé de tomber sur moi avec une monotonie délicieuse. Vous aimez l'argent? Le plus que tout. Plus que tout? À part le gala. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est très espagnol. Il y a déjà une chanson espagnole qui dit « Je t'aime comme on aime l'argent ou comme on peut aimer sa propre mère. » Vous aimez votre femme comme vous aimez l'argent? Exactement. Plus le gala, mais tout de suite après l'argent. L'or. Enfin, je suis le mystique de l'or. Vous parlez de l'or, mais on va vous croire simplement âpre. Or, je suppose qu'il ne s'agit pas seulement de l'âpreté du gain, lorsque vous parlez de votre amour de l'or. Je suppose que c'est vous entendez physique, ça maintenant. Au sens des alchimistes. Exact. C'est-à-dire que pour eux, l'or était le symbole de la puissance royale et de la réussite d'une vie religieuse et philosophique, n'est-ce pas? Et mystique. Et mystique, bien entendu. Exact. Les surréalistes croyaient à l'amour fou. Vous y croyez? Moi, je crois à l'amour délirant, mais pas fou, parce que j'ai toujours dit que l'unique différence qu'il y a entre Dali et un fou, c'est que je ne suis pas fou. Nous vivons dans une ère atomique et même dans une ère cosmique. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses dans votre œuvre? Ça n'a rien changé parce que cette époque que nous vivons, il a été exactement inauguré avec les portes de métro de Paris, c'est-à-dire nous vivons de la charité de 1900. Freud, Marx, les portes de métro, Otto Rang, enfin, tous les nouveaux progrès de la science viennent de Marx, Planck, tout ça se produit exactement, Einstein, tout ça se produit au début de 1900. Vous n'êtes donc pas étonné par cette époque parce que vous l'avez toujours ressenti. Exactement, je l'ai vécu dès mon enfance. Pourquoi peignez-vous alors, pour exprimer cette époque? La peinture, chez moi, c'est une partie infinitésimale de ma personnalité. Et de votre action. Et de mon action. Alors, entre beaucoup d'autres choses, je fais des peintures que je considère d'ailleurs assez médiocres, mais qui servent quand même pour exprimer une petite partie de la cosmogonie d'Alignan. Votre action, c'est une action quasi mystique. Vous ne voulez pas seulement apporter un témoignage, vous voulez faire quelque chose, changer les conceptions du monde. Et surtout, quand c'est changement, se traduit dans la chose tout à fait hypermatérialiste de l'or. C'est-à-dire que je ne crois à aucune des idées jusqu'au moment où ça ne rapporte pas beaucoup d'or. Je voudrais vous interroger sur un autre aspect de votre œuvre. Votre passion pour les structures molles, pour les choses qui s'écoulent. Alors ça, c'est tout à fait semblable à l'obsession de l'or, puisque l'élément mou, surtout le fromage, j'ai fait les montres molles qui sont vraiment comme du camembert, qui est au point, sont un élément aussi mystique. J'avais toujours remarqué que les catholiques faisaient beaucoup l'usage du pain et du vin, mais il y avait toujours très peu de fromage. Et le fromage est encore plus mystique que le pain. Et dernièrement, j'ai trouvé dans Saint-Augustin, qui est un très grand surréaliste mystique, tout un chapitre dans lequel il dit... Ça, c'est pas Dali, c'est Saint-Augustin qui le dit, que Jésus, c'est pas une montagne de fromage, mais c'est des montagnes de fromage. Montus, coagulatus, enfin, il y a tout un passage de Tson dans lequel tous les phénomènes de coagulation et de fermentation sont identifiés à la figure mystique de Jésus.
Oui, c'est-à-dire vous voulez parler en effet de cette immense fermentation de la vie intérieure, c'est ça pour vous? Ça c'est un passage très obscur de Saint Augustin, mais dans lequel textuellement il assimile Jésus concrètement au fromage, et ça se trouve aussi dans un des plus grands mystiques de notre pays, de l'Espagne, que c'est Fray Luis de León, dans lequel aussi il y a cette même obsession du fromage mêlée à la mystique. Mais les surréalistes étaient révolutionnaires et athées. Vous êtes catholique et monarchiste. Pourquoi êtes-vous catholique? Premièrement, je crois que parce que je suis espagnol. Oui. Et deuxièmement, à cause des dernières découvertes de la microphysique, surtout depuis qu'en 1900, on a inventé les quantum d'action. À ce moment, je me suis rendu compte qu'après la mort, il n'y a que les anges qui sont vraiment l'antimatière, les antiprotons. Vous pensez que la physique moderne, prouve, exactement. Du catholicisme. Absolument. Vous êtes monarchiste par tempérament mystique? Non, par conviction mathématique. C'est surtout une question de morphologie et après de biologie, de chromosomes. Vous croyez que le monde va vers la monarchie? Ah, ça paraît absurde à tous mes amis, mais je suis absolument persuadé que le pays qui va le plus vite vers la monarchie, c'est justement la Russie. Vous croyez à une conversion de la Russie? Non, pas une conversion. Il y a un besoin d'unité politique beaucoup plus grand que tous les autres. C'est le pays qui a gardé le plus fort sentiment de culpabilité d'avoir tué leur père. Et Khrouchtchev prépare nettement la liquidation du Parti communiste et l'événement d'une ère monarchique avec sûrement le rétablissement du grand-duc Vladimir qui habite à Madrid. Comment expliquez-vous aussi que des surréalistes comme Aragon, même comme Éluard, soient devenus communistes? Ça vient vraiment de la question de Pissotieranor. Vous vous souvenez la fameuse phrase de Lénine qui a dit que le jour que les communistes auraient le pouvoir, sûrement ils construiraient des pissotières en or. Mais Lénine avait dit le communisme, c'est le socialisme plus l'électricité. Il n'avait jamais dit c'est le socialisme plus la poésie. Non, mais quand même, Lénine était vraiment, à mon point de vue, un vrai surréaliste, dans le sens, pas du tout intellectuel, mais dans le sens biologique. C'est-à-dire que Lénine, il était, si vous l'habillez avec des dentelles, comme une jeune fille, et vous le faites faire un portrait par Velázquez, il serait tout à fait dans la série de ces crétins que Velázquez a immortalisés et qui faisaient la joie des rois espagnols. À votre avis, quels sont les plus grands génies de l'époque contemporaine? Je crois que c'était Dali, Heisenberg, de mon point de vue, c'est le vrai continuateur de Marx, Planck, oui. Et beaucoup plus grand génie que Einstein, peut-être pas dans ce qu'il a trouvé, mais dans la qualité imprévue de ses idées qu'on peut vraiment appeler archangéliques. Sur la physique moderne. Sur la physique, sur la microphysique, sur les particules élémentaires. Et hors de lui, voyez-vous d'autres grands génies créateurs? Après, j'ai toujours dit Picasso, mais Picasso c'est un génie plutôt rustique et négatif dans le genre des anarchistes ibériques. C'est tout? Au point de vue génie, je crois que oui. Et c'est beaucoup. Est-ce que vous auriez aimé vivre dans une autre époque que celle-ci? J'aurais aimé idéalement l'époque de Raphaël, mais pratiquement. À cause de mon exhibitionnisme et de mon délire de grandeur, je préfère de beaucoup aujourd'hui, parce que aujourd'hui on vit dans une époque d'une médiocrité extraordinaire et mon génie peut briller beaucoup plus. C'est une époque dans laquelle on peut encore faire scandale? Pas scandale, mais quand même on peut frapper d'une façon efficace l'imagination des foules avec les moyens nouveaux de crétinisation, comme la télévision, la radio, la presse. Lorsque vous cherchez à frapper, ce n'est pas tellement pour attirer l'attention sur vous, mais sur une certaine conception du monde que vous avez. Non, je m'excuse, sur moi. Sur vous-même. Sur moi, parce que, et ça je viens de le découvrir, je pensais aussi que c'était plus altruiste, non pas du tout, c'est sur moi,
Le docteur Rumager vient de découvrir que j'incarne un mythe dioscurique. À cause que mon frère, qui était mort avant moi, ma famille lui avait appelé le même nom que moi. Oui. Et cette famille avait un délire pour ce frère. Et moi, j'ai hérité de toutes ses prérogatives. Et j'ai vécu toute mon adolescence, portant agrippé à mon corps et à mon âme, tous les prérogatives et les vertus de mon frère mort. Alors, pour tuer l'image de ce frère mort, j'ai dû perpétrer cette série d'excentricité concentrique pour que continuellement le public et les gens regardent Dali pour être sûr que je vis et pour affirmer ma personnalité au détriment de mon frère. Je comprends très bien. Donc en ce moment, je suis en train encore une fois de tuer mon frère. Et si vous n'étiez pas Dali, qui aimeriez-vous être ? À Saint-Raymond Lull, naturellement. Raymond Lull. Raymond Lull, d'ailleurs, Eugenio Montes, que c'est notre plus grand écrivain, il a dit que s'il y a quelqu'un, on pourrait me comparer, c'est à l'archangélique Raymond Lull. L'alchimiste. Alchimiste, métaphysicien, un peu, et martyr.